Alors, je dis bon, il y a cette fête du jour de l'Independence Day. Il a été. C'est quoi ça? Je savais pas qu'ils avaient le droit de donner des cours des jours écoliques. Arrête, voilà. Bon. Arrête ça. Ici, il n'est pas prêt pour le permis. Non, mais regarde le tour. Ta pédale d'embrayage, doucement. Tu retires doucement. Alors, tu fais le stationnement parallèle. Et là, tu te gares de reculons qui est à côté de la 5 qui est là, OK? Ah, doucement, doucement. OK. La pédale d'embrayage, c'est à la renverse. Bon, allez, vas-y. OK. Doucement. C'est ça, tourne tes roues. Tu tournes tes roues, c'est ça. Non, non, merde. Lynn. Le mec est complètement con. Hein. Lynn. Le professeur est aussi con que le gars. Lynn. C'est pas ta voiture, Eric. Non, moi c'est celle d'à côté. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Il est drogué, le gars, c'est pas possible. Non, je sais qu'il n'est pas prêt. Comment vous le laissez comme ça tout seul dans une voiture en voyant comment. Ça va en bas, ouais. Ben non, il n'y avait personne, je vais aller voir. Je vais aller voir, bougez pas, je vais aller voir. Non, mais ça va me coûter la peau des fesses. Comment vous laissez un garçon comme ça dans cette voiture? On le voyait tout de suite qu'il allait. Moi, j'ai dit qu'il va rentrer dans une grille où il va faire quelque chose. En plus, ça marche arrière, alors qu'il ne sait déjà pas marcher en avant. Mais c'est pas la première fois, madame, qui se gare en parallèle. Rien que là, vous voyez bien qu'il n'était pas prêt. Non, je ne peux pas l'essayer une autre fois. Ça fait déjà deux fois. Une dernière fois. Je me sens en pleine forme. Et qui est la bagnole bien. Je sais pas, elles sont dans la voiture. Bon, mais, tu vas chercher la voiture, tu me l'amènes ici, tu prends tes fringues et tout, et tu ne touches pas. Les enfants, planquez-vous. Je l'attends bien. Planquez-vous. Tu vas chercher la voiture. Allez, va chercher la voiture, tu me l'amènes ici. Tu prends tes fringues et puis tu t'assois à l'autre côté. Non, mais c'est vrai. Vous n'allez pas le laisser faire, quand même. Ah non, c'est terminé. Lui, il ramène la voiture ici, puis c'est terminé. Mais il ne va pas y arriver à la ramener ici. Ah non, en marche avant, ça va bien. Ah non, il est embouti trois poteaux. En marche avant, maintenant, il va aller droit sur la terrasse. Combien vous pariez? Non, mais vous avez déjà conduit, vous? Oui, je conduis, heureusement, mieux que lui. Vous savez un petit peu l'état d'énervement dans lequel on est. Mais c'est justement parce qu'il est nerveux comme ça que vous ne devez pas lui laisser prendre une voiture, voyons. Vous vous rendez compte, s'il va droit sur ces gens-là, vous ne devez pas prendre cette responsabilité. Mais enfin, je vous conseille de vous planquer. Ah non. Planquez-vous. Doucement. Non, soyez. Tiens, regarde, voyons. Doucement. Ici, on se calme. On vient ici. Voilà. Stop, on arrête. Et voilà. Bon. C'est tout. Bon. Et là, tu peux. Non, tu n'essaies rien, tu n'essaies rien. Juste une toute petite fois. Et je t'en prie, une toute petite fois. Éteins le moteur et sors. Bon. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, on peut pas laisser comme ça. Il va aller emballer l'autre voiture. Hé, hey, je t'ai dit de... Non, tu... Mais merde! Oh! Mais ne laissez pas faire, c'est ce que je vous ai dit, enfin! Attrapez-la! Oh! Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que je vous ai dit de ne pas le laisser faire, imbécile? Là, c'est fini! Mais tu restes là! Madame, venez ici une seconde. Éric, c'est la vôtre maintenant. Quoi? Il a laissé continuer. Non, mais je ne sais pas. Oui. C'est vous qui avez donné les clés. Mais quel imbécile! C'est vrai, c'est un imbécile. Venez avec moi. Non, vous en êtes un autre, monsieur, excusez-moi. Bon, écoutez, de toute façon... Monsieur, j'attends la police, je n'ai pas à vous parler. On est tous ici témoins. On ne fait pas ça. Venez voir les... Mais tout le monde est témoin. Comment vous êtes un instructeur et vous lui dites reprenez la voiture après ce qu'il vient de faire? Madame, écoutez, je vais vous avouer une chose, mais vraiment, entre vous et moi... Oui, je suis un imbécile, vous avez raison. On ne laisse pas faire ça. Et tout le monde l'a vu. Mais c'est pas grave, des bagnoles, on en a plein à foutre des bagnoles, parce que Lynn Renault, vous êtes l'invité de surprise, vous avez tout de suite.